C'est reparti pour un second épisode sur la Snapchat 21W16A avec donc vous l'avez certainement lu, sinon je vous en mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc des changements du côté des textures des minerais. J'avais dit dans le premier épisode que je le voyais pas trop, puis en fait finalement ouais si. En regardant bien le changement sur les anciennes vidéos. Donc mes précédentes vidéos où j'ai des minerais. Et puis ben, maintenant, effectivement, il y a quelques changements. C'est pas flagrant, mais il y en a un petit peu. Et puis ben, il y a cette seconde possibilité là, d'avoir des nappes non plus aquifères. Oh, punaise. Avec de l'eau, mais avec de la lave après en dessous du niveau 0. Je ne l'ai pas remarqué, mais j'ai remarqué quand même un petit truc. Et vous avez pu remarquer ici que à chaque fois que je descends, eh ben, il y a un creeper qui m'attend. Je n'ai pas enregistré, mais j'ai vu une partie précédente. Enfin, dans cette partie, mais j'ai été explosé 7 fois par des creepers qui tombaient de là-haut, là. 7 à la suite. Voilà, donc je descendais, je me faisais exploser, je récupérais mon matériel, en l'occurrence mon épée Durandal, l'épée qui est là, l'épée en diamant. Donc voilà, mais bon, ce n'est qu'un détail, c'est réglé, je n'ai plus ce problème là. Alors, je vais vous inviter, hop, toi t'es fini, et vous montrer ces nappes souterraines, où il y a de la lave plutôt que de l'eau. Je pense hein, que c'est ça. Bon, là, on est dans une zone. Mais oui, t'as raison, toi. Ouais, je vais m'occuper de lui et on poursuit. Hop. Donc, ici, il y a de quoi miner un petit peu, mais je le ferai plus tard. Par là-bas, j'ai toujours pas été voir. Par là-bas, je crois que j'ai avancé un tout petit peu, mais j'ai pas été bien loin. Et c'est un peu ça le problème, c'est que quand on va pas assez loin, et ben voilà, on a des squelettes qui spawnent. Voilà, alors ici ça sera plus possible. Ah, j'étais pas venu par là. Bon, d'accord. Et donc voilà, voilà le genre de nappe souterraine avec de la lave. Oh, j'ai cru qu'il y avait un creeper qui m'attendait. Si vous entendez des cris de petits chats, eh ben, ne vous inquiétez pas, enfin ne vous en étonnez pas surtout, c'est qu'il y a des petits chats autour de moi et que le micro est suffisamment sensible pour enregistrer leurs cris. Ils ont faim, certainement, et je vais m'occuper de ça très très vite. Allez, on avance ici. Est-ce qu'on va aller plus loin? J'aimerais bien, je dois vous avouer, trouver du diamant. Waouh! Oh, c'est beau ça! Je disais, j'aimerais bien trouver du diamant, mais là, je trouverai pas de diamant. Ah, par contre, je suis parti sans prendre une nouvelle pioche enchantée. Donc des pioches qui sont fabriquées par mon villageois, mon forgeron. Allez, ici, c'est bon, je peux attraper tout ça. Ça fait de l'expérience, hein, en attendant de pouvoir miner l'obsidienne. Pour l'instant, c'est pas envisageable. On va attendre un petit peu. J'ai un petit chat qui vient de grimper sur mon épaule et qui est en train de me dire dans l'oreille « Miaou, j'ai faim ». Bon, ben je vais peut-être bloquer la vidéo ici et puis reprendre un peu plus tard. Mais j'avais absolument envie, avant le début de ce week-end, de vous montrer cet espace-là. Hein, vous voyez, on est là dans l'ardoise de l'abîme. Donc on est en dessous du niveau 0. Le fer brut. Donc là-haut, la texture, elle ne change pas beaucoup. Enfin, en même temps, elle est bien mélangée. Hein. Bien mélangée à la roche. Et vous l'avez peut-être vu aussi au début de la vidéo.
mélangé avec de l'ardoise. Un petit bug graphique. Ça nous sera utile aussi dès qu'on aura une table d'enchantement. Je continue par là. Ouais, bon, quand il n'y en a que un, ça va, c'est gérable. Quand il n'y en a que un, ah ouais, en plus, je suis déjà passé par ici, mais pas jusqu'au bout. Donc là, je vais gaspiller de la torche hein, pour sécuriser la zone. Mais c'est pas bien grave parce qu'en fait, dans cette partie, je suis assez content. Il y a beaucoup, beaucoup de charbon. J'ai eu des parties beaucoup plus compliquées que ça. Avec très peu de charbon, on descendait dans les mines. Avec 5 torches. Ah oui, alors là, il commence à avoir plus de place. Le teuf. Oups. Donc voilà. L'or, avant d'être miné. D'accord. Et une fois qu'il est récupéré, alors on est un peu sur la même texture que le... Je dirais que le fer. Ah, punaise. La grosse nouille, hop. Allez, encore un peu de fer. Et dès que j'ai cassé ma pioche enchantée, eh ben je remonte. Je t'ai vu toi là-bas. Donc vous l'aurez remarqué, hein, mon épée, elle commence à se faire vieille, on va dire. Mais elle est en diamant, alors j'ai pas envie de la perdre. Donc je vais peut-être m'arrêter de l'utiliser, je ne sais pas, je sais pas encore. Je vais voir comment je vais faire. Je pourrais effectivement arrêter de l'utiliser maintenant là et puis conserver une autre. Ça, je viendrai faire plus tard. Là aussi. Alors ici, je suis déjà venu. Vous pouvez le voir. Donc il n'y a plus de lave, mais le cuivre, je ne vous ai pas montré. Hop, voilà le cuivre. Je vais le mettre où le cuivre ? On va mettre ici. Voilà. Donc là, on a récupéré les principaux matériaux. Et je vais pouvoir remonter avant même... Oh, voilà. Donc on a encore un tout petit peu. Voilà, bah j'avais dit que j'arrêterais à ce moment-là. Et je vous raconte pas, si je vous raconte, j'ai un chat qui est en train d'essayer de... Je sais pas ce qu'il essaie de faire dans le cou, là, mais il est coincé dans mes cheveux. Et c'est assez... Oh, c'est pas vrai. Ils sont à plusieurs. Non, mais les gars, et voilà, tirez-vous dessus. Voilà. Ça n'a pas marché, au lieu de vous tirer dessus, bon bah tant pis. Cette petite bestiole, vous l'avez déjà vue, j'imagine. Elle ne vient pas de cette version-là, enfin de cette snapshot spécifiquement. Mais elle a pour particularité de détruire toute vie dans un cours d'eau. Ce qui peut être très intéressant pour récupérer sans problème. Du poisson pour éventuellement après aller tenter d'amadouer un chat. Donc hors enregistrement, hein, j'ai amadoué un chat. Ah bah si, vous l'avez peut-être vu dans l'épisode précédent. Bon bah ce malheureux chat, il s'est fait exploser par un creeper. Et oui,
Comme quoi, voilà. Et entre-temps, j'ai eu aussi un chien qui, lui, a tenté d'apprendre à nager dans la lave, comme vous l'avez peut-être déjà vécu. C'est horrible. Et donc, vous perdez votre chien et vous ne pouvez rien y faire. Parce qu'il était dedans. Et je dois vous avouer qu'en fait, il était en train de se noyer. Et j'ai transformé la lave en obsidienne. En me disant, comme ça, il allait peut-être rester coincé dedans. Non, bref. Allez, je retourne par ici. Puis bah, il va falloir que j'attende demain matin. Pour récupérer... Pour récupérer, disais-je... Ah, le chat, s'il te plaît. Pour récupérer une nouvelle... Pioche enchantée. Ça commence à faire beaucoup. Là, on va essayer de transformer ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le livre de recettes? Oui, je peux faire de la poudre de redstone. Super. Aucun intérêt. Mais bon. Donc là, je gagne un peu de place. Ça. Allez, faisons fondre. Là, il n'y a pas besoin de beaucoup. Là non plus. Ici, c'est tout ce qui est quoi. Quoi ? Et voilà. Et ici, ça va être ceci. Tiens, c'est étonnant, ça, j'ai pas mis d'emplacement. Pardon, toi. J'ai pas d'emplacement pour... Bah si. Voilà. Les os, j'en garde. J'en garde parce que j'aimerais bien me retrouver un chien. Enfin, un loup. Qui deviendra un loup apprivoisé. Et donc mon chien. Le cochon qui est là, vous avez remarqué, il s'est échappé de là-bas. Et pour l'instant, je le laisse ici. Voilà, bon. Le mouton, on va le transformer. Là, j'en ai pas assez. Là, je suis pas mal. Ok, allez, c'est l'heure de dormir. Bien, la nuit est passée et on peut repartir. Donc, sans oublier de faire le plein de matériel, si tout le monde est réveillé, mon maçon, tiens, donc pas spécialement pour faire monter de niveau, hein, mais plus pour récupérer 9 émeraudes qui me serviront auprès des autres. Ici, lui va me donner un équipement qui pour l'instant ne me sert pas. Le fléchier, je suis encore 52, donc tout va bien. Celui-là, c'est l'expert. Je pourrais récupérer un arc un peu meilleur, peut-être. Mon tisserand. Enfin, tisserand, je l'appelle tisserand, mais c'est un berger. Qu'est-ce que tu me donnes, toi, en échange? Ah voilà, deux de plus. Pour ça de gagner. Hop, j'ai du papier pour mon cartographe, donc qui est déjà maître, hein, donc au stade maximal. Est-ce que tu es là-bas? Est-ce que c'est toi qui, voilà, me propose une pioche en fer? Ah, crotte, d'accord, j'en ai que 15. J'en ai que 15 ici, mais... Pouf. Voilà. Et c'est bon. Et il me proposerait éventuellement une hache en fer pour 29. Une hache en diamant, pardon.
Ouais. Je vais attendre encore un peu. Ouais, je préférais prendre une deuxième comme ça. Et puis voilà. On va pouvoir remettre ça ici. Peut-être refaire quelques torches. Histoire d'être vraiment super équipé pour repartir et redescendre. Oh ouais, allez. C'est pour faire un max. Il est vraiment très généreux lui, hein. Ça s'arrête au bout d'un moment quand même. Mais là, c'est franchement excellent. Bon. Hop. J'ai quand même un doute sur mon arc, hein, donc. Oh non, allez, on va faire tourner le commerce. On va aller voir ici. Voilà, puis ça permet de le... Vous savez quoi? On le fait tourner jusqu'au max. Voilà. Voilà, t'es passé au niveau supérieur. Et ça n'a aucun intérêt. Non, j'exagère, ça a un intérêt, mais c'est un intérêt moindre quand même. Ah mec. Par contre, maintenant, tu m'échanges ça. Et ça m'arrange bien parce que je ne vous ai peut-être pas montré. Non, je ne voulais pas montrer. Mais j'ai découvert, donc en bas, dans la mine là-bas, j'ai découvert. Oui, bah, voilà, en fait, je viens de le dire, une mine. Donc, je vais descendre ma hache, ouais, si c'est bon. Allez, je descends. Ah, vous savez quoi? J'ai une idée. La mine, je sais pas où elle est précisément, mais ce que j'aime bien, c'est pouvoir ressortir de cette mine directement. Donc, je vais prendre le nécessaire, oups là, pour pouvoir remonter directement. Voilà. Allez, une plongée dans la grotte, direction la mine, et puis je remonte. Avant de faire... Hop. J'ai pas bien compris. Bon, allez. Hop. Je sais même pas si ça me rapporte des points d'expérience réellement ce truc-là. La mine, elle est par ici. Si je me souviens bien. Pas du tout ici. Mais plutôt par là-bas. Donc je pense que techniquement, je suis pas du tout éloigné du point d'entrée.
mais je vais quand même me faire une sortie directe, vous voyez, voilà. À partir d'ici. Alors, ça va être où précisément? Je ne sais pas. Pas trop loin. Allez, ici, c'est pas mal. Je fais un peu le ménage autour. Et j'installe mes premières échelles. J'ai déjà mangé les 10 premières échelles. Allez, c'est parti. N'importe quoi. Donc là, je viens de faire deux foirades à la suite. Donc voilà. Hop. Ça. Quand est-ce que j'arrive au niveau du sable ? Je vais me prendre des dégâts, ça c'est sûr. Je dois pas être loin. Donc on va faire ça. Ah bah ouais, moi je comprends pas. Oui, d'accord. Où suis-je ? Ah ouais ! Parti de là-bas. Et me voilà ici. Ok. Et ben pourquoi pas. On va dégager ça pour avoir une vue sur le monolithe. Ouais, c'est bon. Et donc on sait qu'on part de là.
Mais ça, ça sert à rien. Mais... je le ménage. Voilà. Fais-moi plaisir. Que ce soit vraiment une veine de diamant. Pas juste trois petits bouts. Non, s'il te plaît. Ouais, comment j'ai pas confiance. J'ai bien fait de pas avoir confiance. Attends, 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 voilà. Yes. 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 Oh là là. Mais comment c'est trop bien. J'en ai 6. Bon bah écoutez. Je crois que je vais pouvoir arrêter cet épisode. Là maintenant. Je le mets là. Je suis trop content. C'est excellent. Allez. Voilà une bonne descente. Et qui va me permettre de réfléchir à la suite. Et voir ce que je vais faire avec ces 6 diamants. Je dois vous avouer que je ne vais pas réfléchir très très longtemps. Il va y avoir une pioche. Et cette pioche va me permettre ensuite de fabriquer ma table d'enchantement en allant récupérer de l'obsidienne. Voilà. Et je me ferai peut-être une plongée dans cette... dans cette mine assez sympathique pour revenir chercher un petit peu de matériel. Mais je ne sais pas encore précisément. Enfin, là, je suis très content de cette trouvaille, de cette petite... Oh, petite, c'est même pas le bon mot. De cette belle série, là, c'est excellent. Bon, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir repartir, de retrouver la sortie. Vous vous souvenez de la route. Oh, c'est par ici.
J'ai envie d'attraper l'obsidienne tout de suite et de... Bon, allez. Du calme. Où est-ce que j'avais fini mon installation pour remonter? Bah, juste là. Ah, génial, génial, génial. Bon, vous avez compris ce que je vais faire, c'est que je suis en train de me rendre compte que de toute façon je vais perdre du stuff si je fais rien. Non, c'est pas celui-là que je veux, c'est ça. On va se faire un petit coffre qui va se placer juste là, et dans lequel il va être possible de ranger un certain nombre de choses qui vont pas me servir tout de suite. Ça, je pourrais le remonter plus tard. Voilà, c'est ici. Bon, je remonte ça, je remonte ça, je remonte ça. Et on s'arrête là-dessus. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Toujours sur cette Snapchat, sauf s'il la change dans la nuit du 23 au 24 avril, enfin bref, si ce week-end il y a encore des changements, eh ben on changera de Snapchat en espérant qu'on peut continuer à jouer. Voilà, allez, à bientôt, et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Salut !